Hamilton s'exprime sur les dernières polémiques hors piste en F1, donc Horner, Bensoulayem, etc. En tant que personne qui aime ce sport, c'est vraiment décevant de voir ce qui se passe en ce moment. Je pense que c'est un moment vraiment très important pour que notre sport montre vraiment ses valeurs et s'y tienne, en nous tenant responsables de nos actions. Un moment vraiment crucial, je pense, pour notre sport en termes de ce que nous projetons au monde et de la manière dont ça est géré. Ça n'a pas été très bien géré jusqu'à présent. C'est le moins qu'on puisse dire, oui. La transparence est vraiment la clé, j'espère vraiment voir des progrès là-dessus. Ça met en lumière certains des problèmes que nous rencontrons également dans le sport. Les fans doivent pouvoir nous faire confiance. Ouais, mais quand on voit les scandales qui touchent en plus Bensoulayem, ça touche vraiment l'instance dirigeante du sport, en plus la FIA directement. Donc ça, c'est comment on peut faire confiance? De toute façon, ça fait des décennies que personne n'a plus confiance en la FIA. Il y a toujours des petites magouilles là, des petits arrangements là, qui se passent entre certaines écuries et la FIA. Et le problème, c'est que les fans qui sont là depuis longtemps, ils savent déjà que la FIA, il y a un problème avec cette fédération-là. Donc on n'a plus vraiment confiance, hein. Franchement, j'ai pas. Moi, honnêtement, j'ai pas 100% confiance au sport. Hein. Alors je dis pas non plus que tout est manipulé, que tout est pourri, que c'est pas du catch non plus, c'est pas scénarisé, quoi. Je vais pas aller dire ça non plus. Mais bon, il y a quand même des trucs qui sont un peu bizarres, des fois. Des pénalités qui sont pas mises à certains, qui sont mises à d'autres. Des manipulations de résultats, des safety cars, des red flags, des. Il y a plein de trucs en fait. Hein. Certaines voitures qui doivent reprendre leur tour, d'autres non. N'est-ce pas? N'est-ce pas, Michael? Mazi? Il y a des bizarreries dans notre sport. Quel est votre avis? Êtes-vous d'accord avec Lewis Hamilton?